Alléluia. Psaume 107. Psalm 107. Du verset 1. Reading from verse 1. Au verset 32. Up to the verse 32. Psaume 107, verset 1 à 22. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Ils humilièrent leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Et il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes des reins, il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Amen. Nous voyons ici, we can see here, quatre situations dans lesquelles Dieu a manifesté sa fidélité. Four situations in which God showed his faithfulness. Nous voyons des hommes en difficulté. We can see men going through hardships. Et qui crient à Dieu. And who cried out to the Lord. Et Dieu exauce. And God grants. Nous allons rapidement parcourir. We are going to go through very quickly. Pour que cela suscite en nous la conviction et la foi. So that this creates or raises in us conviction and faith. Afin que nous puissions apprendre à crier aussi à Dieu. So that we can learn to cry to God. Étant rassuré. Being assured. Que si nos cris parviennent à ses oreilles. That if our cries get to its ears. Nous serons sauvés. We'll be saved. Délivrés. Delivered. Secourus. And helped. La première situation. The first situation, c'est des gens qui avaient commis le péché. They were men who committed sin. Ils étaient errants dans les déserts. They were wandering in the wilderness. Ils marchaient dans la solitude. And they were in a desert. Sans trouver une ville où ils puissent habiter. They found no city to dwell in. Ils souffraient de faim et de soif. Hungry and thirsty. Leur âme était languissante. Their soul fainted in them. Il y a des familles où il n'y a pas de nourriture, la vraie nourriture. There are families where we cannot find food, physical food. On n'a rien à manger. There's nothing to eat. Quand tu arrives, les lèvres sont sèches. When you get there, your lips are dry. Les enfants sont pâles. And the children are pale. Certains travaillent même, mais ils n'ont pas d'argent pour acheter à manger. Some even work, they have job, but they do not have money to buy food to eat. Errant dans le désert. Wandering in a wilderness. Ils marchaient dans la solitude. Walking in loneliness. Sans trouver une ville où ils puissent habiter. They found no city to dwell in. Ils souffraient de faim et de soif. Hungry and thirsty. Dans leur détresse. They,
Ils crièrent à l'Éternel. Then in the trouble, they cried out to the Lord. Ils crièrent à l'Éternel. They cried out to the Lord. Et qu'est-ce que l'Éternel a fait? What did the Lord do? Il les délivra de leurs angoisses. He delivered them out of their distresses. Il les conduisit. And he led them par le droit chemin. Forth by the right way. Pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. That they might go to a city for a dwelling Quand place. Ils ont crié à Dieu, when they cried out to the Lord, le Seigneur a intervenu. The Lord intervened. Il leur a montré le chemin. And he showed them the way. Il dit, sortez du désert. He said, get out of the wilderness. Le problème, c'est que vous vivez dans le désert. The problem is that you are in the wilderness. Il n'y a pas d'eau ici. There's no water there. Il n'y a pas à manger ici. No food. Il dit, passez par ici. He said, get by here. Et il y a là-bas une ville habitable. There is a city where you can dwell. Alléluia. Praise the Lord. Si tu n'as rien à manger, if you have nothing to eat, tu passes un temps d'errance. You are spending a time of si wandering. Si tu cries à Dieu ce soir, you cry out to the Lord tonight, il va te montrer le chemin. He will show you the way. De sortie. There's the way out. L'issue qu'il a préparée pour toi. The way out that he has prepared for you. Tu ne vas pas sombrer dans la misère. You will not sink in misery. Mais il faut que tu cries à lui. But you need to cry out to avec him. Tout ce que cela comporte. With all that this encompasses. Crier ici ne va pas dire ha ha ha. Cry here is not to say ha ha. C'est dire oh Seigneur. Say oh Lord. Je suis loin de toi. I am far away from you. Je suis loin de toi. Far away from you. Pardonne-moi. Forgive me. Tous les péchés qui m'ont éloigné de toi. All the sins that made me depart from you. Tous les péchés qui m'ont rendu errant comme je le suis aujourd'hui. All the sins that made me to wander in the wilderness. C'est ça le fond, le contenu du cri. This is the content of the cry. Quand tu liras la Bible, when you read the Bible, si tu lis, quelqu'un a crié à Dieu. If you read in the Bible that someone cried out to the Lord, pris du temps pour prier. That is, it means that he took time to pray. Ça veut dire qu'il s'est humilié. It means that he humbled himself. Et il a commencé à appeler Dieu au secours. And he started to call God to help. Et quand Dieu écoute de tels cris, when God listens to such cries, il est bon. He's good. Il a dit, he said, les hommes donnent les bonnes choses à leurs enfants. Man gives good things to the children. À combien plus forte raison Dieu? How much more God? Dieu donnera-t-il des bonnes choses à ses enfants qui lui demandent des bonnes choses? Shall God not give good things to his children who ask him good things? Si tu dis à Dieu, je suis dans un piège. If you tell God I am in a trap. Délivre-moi. Deliver me. Frère. Brethren. Si c'est le vrai Dieu, if it is the true God que tu as appelé, that you have tu seras called, délivré. You will be delivered. Tu seras délivré. You will be delivered. C'est ça qui justifie ces témoignages. This is what justifies those testimonies. Où Dieu envoie les anges soigner les êtres humains. In which God brings down angels to cure human beings. Il agit de cette manière. Pourquoi? Why does he do this work this way? Il veut convaincre les gens que ça vient de Dieu. He wants to convince men that this is from him. Dieu peut te guérir sans bruit. God can heal you without any noise. À un moment donné, même tu vas douter. At a certain time, you'll doubt. Mais quand tu sais qu'un ange est venu enlever ton cerveau dans une vision, when you know that an angel came and removed your brain in a vision, tu ne peux plus dire que c'est le hasard. You can no more say that it is hazard. Certaines personnes ont besoin de ce genre de guérison. Some people need this kind of healing. Il y en a qui n'en ont pas besoin. Some do not need. Et ils savent qu'ils sont même guéris, même quand le corps est encore souffrant. Those ones know that they are healed even when they still feel pain in their bodies. Il y en a qui savent qu'ils sont déjà guéris. Some know that they are already healed. Il y en a qui savent qu'ils sont déjà délivrés. Some also know that they are already delivered. Pour d'autres, for others, Dieu doit secouer la terre. God must shake earth. Tremble, oui, c'est Dieu, c'est Dieu. It must tremble so that they know that it is God. It is God. C'est Dieu, c'est Dieu. It is God. It is God. Que ce soit celui qui croit sans avoir vu, celui qui croit sous les tremblements de terre, l'essentiel est que tu crois que c'est Dieu. Whether it is the one who believes without seeing or the one who believes after seeing the earthquake, it is the doing of the true God. Ils mouraient de faim et de soif. They were dying of hunger and thirst. Pourquoi? Why? Ils habitaient dans les lieux arides. They were living in dry places. Et ils ont crié à Dieu. And they cried out to the C'est Lord. C'est Dieu qui connaît la voie de sortie de ta situation. It is God who knows the way out from your situation.
Tu multiplies tes efforts. You multiply your effort. Pour sortir de là. To get out of there. Ça se complique. It becomes complicated. Il faut t'arrêter. You must stop. Faut crier à Dieu. Cry out to the Lord. Ne te débrouille pas. Do not try by yourself. Si tu cries à Dieu, if you cry out to the Lord, il te conduira par le droit chemin. He will lead you by the right way. Il va te faire sortir du désert. He will take you out of the wilderness. Il va te dire, mon fils, and will tell you, my son, ma fille, my daughter, passe par ici. Get passed by here. Va tout droit. Go straight. Là-bas. There. Installe-toi. And stay there. Tu n'auras plus jamais soif. You will no more be thirsty. Tu n'auras plus jamais faim. You will no more be hungry. Et la parole dit. And the word says. Qui loue l'Éternel. That they praise the Lord. Qui loue l'Éternel. Oh, give thanks to the Lord. Pour sa bonté. For his good. Et ses merveilles. And his wonders. Deuxième situation. Second situation. Alléluia. Praise the Lord. Il dit. He says. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres. Those who dwell in place was the darkness. Et l'ombre de la mort. And the shadow of death. Vivaient captifs. They were living as captives. Dans la misère. In misery. Dans les chaînes. In chains. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Because they rebelled against the words of God. Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. And despised the counsel of the Most High. Il humilia leur cœur. Therefore, he brought down their heart. Par la souffrance. With labor. Ils succombèrent. They fell down. Personne ne les secourut. And there was none. Dans leur détresse. Then they cried out. Ils crièrent à l'Éternel. In their trouble. Il les délivra. He saved them. Alléluia. Praise the Lord. Qu'est-ce qu'ils ont fait? What did they do? Ils ont méprisé les conseils de Dieu. They despised the counsel of the Most High. Tout ce que la Bible dit de ne pas faire, ils ont fait. Whatever the Bible said you must not do, they did it. Ils s'en foutent, Dieu n'existe pas. And they don't care, God doesn't exist. Et Dieu les a humiliés. And God brought them down. Il envoie la souffrance. He brought suffering. Il les écrase. And he crushed them. Après. And after. Ils comprennent que c'est sérieux. They understand that it is earnest. It is, ça là. They say, this. Ça nous dépasse. It is beyond us. Crions à Dieu. Let us cry to the Et Lord. Et puis ils ont crié à Dieu. And I cried out to the Lord. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. And he saved them out of their distresses. Dieu n'est pas rancunier. God does not bear grudge. Tu peux être un petit rebelle depuis ta naissance. You can be a small rebel since you were born. Et en 2019. And in 2019. Tu cries à Dieu. You cried out to the Lord. Et il te pardonne. And he forgives you. Sans discuter avec toi. Without arguing il with you. Il ne dit pas pourquoi tu m'avais abandonné. It does not say why did you departed from petit me. Rebelle. Depart from me. A little rebel. Parce qu'en réalité. Because in fact. Dieu aime les hommes. God loves men. Parfois, il est puni pour les attirer à lui. Sometimes he punishes them in order to draw them to him. Il bloque, il ferme la voie. He closes the way. Il se dit, and he tells himself, s'il te laisse, if he leaves you there, tu vas t'habituer à ça. You will be used to that. Et tu vas mourir. And you die. Il ferme. So he closes. Il te punit. And he punishes you. Il t'afflige. He afflicts you. C'est pour cette raison. That's why. Quand tu as des problèmes. When you have troubles. Ne regarde pas beaucoup le diable. Do not look the devil. The devil. Satan. Do not say Satan. Dis-toi. Tell yourself. Mon Dieu. My God. Tu peux me sauver. You can save me. Parce que c'est lui-même qui laisse le diable. Because he is the one who let the devil. Quand il est fâché. When he is angry. Il les fait sortir des ténèbres. He took them out of darkness. Il les fit sortir de l'ombre de la mort. He took them out of the shadow of death. Le Seigneur peut te sortir de l'obscurité. The Lord wants to take you out of darkness. Troisième situation. Third situation. Verset 17. Verse 17. Les insensés par leur conduite coupable et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux. Fools, because of the transgression and because of the iniquities, were afflicted. Leur âme avait en horreur. Their soul abhorred all manner of food. Et ils touchaient aux portes de la mort. And they drew near to the gates of death. Dans leur détresse,
in their trouble. Ils crièrent à l'Éternel. They cried out to the Lord. Il les délivra de leurs angoisses. He saved them out of their distress. Il envoya sa parole et les guérit. He sent his word and healed them. Les insensés. The unwise. Ils pêchent. They sin. Ils s'insultent d'abord. They first insult themselves. Et ils insultent Dieu. And they also insult God. Ils disent mangeons et buvons car demain nous mourrons. Il n'y a rien après cette courbe du ciel là. Il n'y a rien au-delà. And they say let us eat and drink because there's nothing here. Even after all this, there's nothing. J'étais tout petit. Je devais avoir 8 ans. I was still a little boy, about 8 years old. Les incrédules causaient, qui a crié Dieu? Est-ce qu'il est un ver de terre? Et ils pensaient qu'ils sont sages. And some unbelievers were laughing, saying, who created God? And they thought they were wise. Quand je lis ces versets, je pense à ces insensés-là. When I read this verse, those verses, I think of those fools. Et qu'est-ce que Dieu a fait? And what did God do? Il s'était rendu court. They were guilty. Et la mort s'approchait déjà. And they were near the gates of death. Il y a des moments où Dieu peut décider. There are times when God can decide. Que je te rappelle aujourd'hui. That I'll call you today. Dieu peut peser quelqu'un. God can weigh someone. Il dit tu es léger. And he said that you are light. Tu meurs aujourd'hui. You die today. À ce moment-là, at that time, aucun médecin, no doctor, ne peut t'aider, can help you. Les insensés, the unwise, ils se rassemblent pour blasphémer. They gather to blaspheme. Qui a créé Dieu? Who created God? Lui-même, pourquoi il a laissé Satan dans le jardin? Himself, why did he let Satan in the garden? Il savait que l'homme est faible. He knew that man is feeble. Il dit bon, je divise tes années par 3. And he said, okay, I divide your years by 3. Tu vas venir me poser les questions ici. You will come and ask me the question here. C'est à ce moment-là, tu vois quelqu'un sur le lit d'hôpital. Si Dieu me guérit, je vais le servir. And it is at that time you can see someone on the hospital, the bed of the hospital. He said that if God heals me, I will serve him. Frères, servons notre Dieu maintenant. Brethren, let us serve our God now. Alléluia. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. In their trouble, they cried out to the Lord. He saved them from their distresses. He sent his word and healed them. Prenez au sérieux la proclamation de la parole. Take it earnestly, the proclamation of the word. Quand Dieu exauce, when God grants, il libère la parole. He releases the word. Vous pouvez sentir qu'il y a une certaine parole qui circule. You can feel that it is a certain word that circulates. C'est pour guérir. It is to heal. Quand Dieu veut opérer une œuvre, when God wants to work a wonder, il parle. He speaks. Il faut saisir cette parole-là. You must lay hold of that word. Elle doit te remplir. It must fill you. Quand elle remplit quelqu'un, elle détruit le doute. When it fills someone, it destroys doubt. Elle est puissante. It is mighty. La parole qui vient pour glorifier Dieu dans sa sagesse est puissante. The word that comes to glorify God in his wisdom is mighty. Elle entre en toi, elle produit la conviction. It gets into you and produces conviction. Tu dois être concentré. You must be concentrated. Pour qu'elle entre en toi. So that word gets into you. Si elle entre en toi, if it gets into you, elle va produire le résultat. It will produce the result. Il est dit qu'elle ne peut pas retourner sans avoir accompli le dessein de Dieu pour lequel elle a été libérée. It is written that the word of God cannot go back to him without fulfilling the purposes of God for which it has been released. Quand le Saint-Esprit nous amène à proclamer, when the Holy Spirit brings us to proclaim, que par tes maîtrisures nous sommes guéris, by your wounds we are healed, ne doute pas.
Do not doubt. Ne récite pas comme le perroquet sans comprendre. Do not recite it as a parrot without understanding it. Médite. Meditate. Qui a dit ça? Who said this? À qui? To whom? Est-ce qu'il était obligé de dire ça? Was he compelled to say so? Par les maîtrisures de Jésus. By the stripes of Jesus. Nous sommes guéris. We are healed. La parole ne dit pas que nous serons guéris. The word says that we will be healed. La parole dit nous sommes guéris. The word says that we are healed. La guérison devient seulement l'entrée dans son héritage. The healing comes to get into his inheritance. C'est comme si comme quelqu'un qui a l'argent dans une banque. It's as someone who has money in a bank. Quand il parle avec, il dit non, il n'y a pas de problème, je suis solvable. And he said, there's no problem, I have money to pay. Il sait qu'il y a l'argent dans la banque. He knows that he has money in the bank. Ta guérison est déjà acquise. Your healing is already gained. C'est gardé. It is kept. Scellé. It is sealed. Par le sang de Jésus. By the blood of Jesus. Quand Jésus disait tout est accompli. And when Jesus said all is accomplished. Il voulait dire tout ce que je suis venu faire. Pour le bonheur de l'être humain, je l'ai achevé. He wanted to say that all that I came to do for the goodness or the happiness of human being, I have completed it. Il envoya sa parole et les guérit. He sent his word and he healed them. Il envoya sa parole et les guérit. He sent his word and he healed them. Il envoie sa parole et te guérit. And he sends his word and heals you. C'est à ce moment-là que les boules disparaissent. It is at that time that the boils disappear. C'est à ce moment-là que les aveugles voient. It is at that time that the blind see. Quand la parole agit en toi et sur toi. When the word works in you and upon you. Il y a des gens qui sont distraits. There are some people who are distracted. On dit, présentons nos besoins à Dieu. They say, let us present our needs to God. Jugeons ceci, jugeons cela. Let judge this. Après, and after, ils courent pour me chercher. They run to seek me. Pour que je leur impose les mains. For me to lay hand on them. Je leur demande, quand on priait, tu as prié? I ask them, when we were praying, did you pray? Ils disent oui. They said yes. Ils disent, tu as déjà annulé la prière. I say you have already cancelled the parce prayer. Parce que après des heures de bataille, comme on fait souvent ici. Because after some years of some hours of battle that we do here. Si je trouve quelqu'un devant ma porte qui dit impose-moi les mains, c'est un incrédule. If I find someone before my door telling me to lay hand on him, même les positions, he is an unfaithful man. Même les positions de main ne va rien produire. Even the laying on of hand will produce nothing. Retenez ça. Retain this. S'il y a une réunion d'enseignement, if there is a meeting of teaching, où on a enseigné la parole du matin jusqu'au soir, to teach the word from the morning to the afternoon, on enseigne comment être gentil, comment aller au ciel, comment servir Dieu. We teach how to be kind, how to go to heaven, how to serve God. Et le soir, and in the night. Quelqu'un me cherche après l'enseignement pour lui poser les mains. Même s'ils sont sans, si j'ai la force, je vais le faire. And after that, someone seeks me for me to lay hand on him for his healing. Even if there are 100 of them, I will do it. Parce qu'on n'a pas prié pour les malades. Because we did not pray for the sick people, we taught. Donc on peut consacrer quelques minutes pour toucher ceux qui veulent être touchés. So we can devote some time to touch those who need to touch. Mais après des heures de combat, but after some hours of battle, on reçoit la guérison. Les gens, les colonnes vertébrales sont redressées. D'autres, les boules disparaissent. D'autres, ils disent que faut que je voie le pasteur à la fin. Tu as raté déjà. We receive healing for some. Their backbone is get straight. And you are seeking the pastor for laying on of hands, you have already failed. Tu n'as pas vu Jésus de Nazareth passer à côté, tu ne l'as pas vu. You did not see Jesus of Nazareth passing by you. Tes yeux sont voilés. Your eyes are veiled. Tu ne l'as pas vu. You did not see him. You did not see him. Oh, que tes écailles tombent. Oh, let the scale fall. Il était là, il était là. He was there. Et tu attendais d'aller voir l'homme de Dieu. And you were waiting to go and see the man of God. Alors que l'homme de Dieu causait avec Dieu devant toi. While the man of God was speaking with God before you.
Quand on regarde la causerie, même si on n'est pas le Pierre, Jacques et Jean, regardaient Jésus avec Moïse et Élie causer, ils ont été bénis. James and John, Peter and James were watching Jesus speaking with Moses and they were blessed. Pierre n'a jamais oublié cela. Peter never forgot that. Est-ce que tu vois Jésus? Do you see Jesus? Est-ce que tu entends ce qu'il te dit? Do you hear what he tells you? Si tu crois, if you believe, c'est ça qui donne la vie. That's what gives life. C'est ça qui ressuscite les morts. That's what raises dead. C'est ça qui apaise la tempête. That is what makes the storm stop. Tous les bruits stop autour de toi. All the noise is around you. Ce sont des petites tempêtes. They are little storms. Jésus peut arrêter tout ça ce soir. Jesus can stop all this tonight. Mais est-ce que tu le vois? Est-ce But que do tu you le see vois? Him? Do you see him? Est-ce que tu entends sa voix? Do you hear his voice? Oh notre Dieu, nous prions que ce que tu veux produire dans nos vies ce jour, par la libération de ces paroles, soit produit. Nous prions que ton œuvre soit produite, Seigneur. Nous prions, oh notre Dieu, que tout ce que tu veux faire ce jour, Seigneur, que nos cœurs demeurent ouverts pour saisir cela dans les moindres détails. Mais Seigneur, oh notre Dieu, parle-nous, ouvre nos cœurs davantage. Accorde-nous ta lumière, Seigneur, pour comprendre que le plus incrédule ce jour soit délivré de l'incrédulité. Oh, notre Dieu, que le plus insensé devienne sage à salut, Seigneur, afin que ton œuvre soit parfaite en nous. Afin que ton œuvre soit parfaite en nous. Afin que ton œuvre soit parfaite en nous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Quatrième situation. The fourth situation. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires. Those who got down to the sea in ships. Et qui travaillaient sur les grandes eaux. Who do business on great waters. Ceux-là virent les œuvres de l'Éternel. They see the works of the Lord. Et les merveilles et ses merveilles au milieu de l'abîme. And his wonders in the deep. Il dit. For he commenced, et il fit souffler la tempête and raises the stormy wind, qui souleva les flots de la mer. Which lifts up the waves of the sea. Il montait vers les cieux, il descendait dans l'abîme. They mount up to the heavens, they go down again to the depths. Leur âme était éperdue en face du danger. Their soul melts because of the trouble. Saisi de vertige, ils chancelaient comme des hommes ivres. They comme reel, un homme ivre. They reel to and fro and stagger like a drunken man. Et toute leur habileté était anéantie. And are at their wit's end. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. They cry out to the Lord in their trouble. Il les délivra de leurs angoisses. He brings them and he brings them out of their distress. Il arrêta la tempête, ramena le calme. He calms the storm so that it waves. Les ondes se turent. Then they are the waves are still. Et ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées. Then they are glad because they are quiet. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. So he guides them to their desired haven. Qui loue l'Éternel pour ses merveilles. Oh, that man will give thanks to the Lord for his goodness. Ici, here, c'est une situation très difficile. It was a very difficult situation. Des gens qui sont dans un navire, men who were in a ship, menacés de naufrage, and they were threatened of shipwreck. Tous les ingénieurs apportent toutes les connaissances qu'ils ont acquises depuis leur naissance. All the engineers brought all the knowledge that they acquired since they were born. Ça ne résout pas le problème. No solution to the problem. Leur habileté. Toutes leurs habiletés, all their abilities, their knowledge, anéanti, was destroyed. Au début, ils oublient même que Dieu existe. In the beginning, they first forget that God exists. Ils essayent tout, ils ont essayé tout. They tried everything. C'est pour cette raison. That's why les enfants de Dieu doivent se recommander à Dieu.
kingdom of God must entrust themselves to God. Au début de toute entreprise. In the beginning of every undertaking. Il faut pas entrer dans le flot, la tempête, avant de crier. Do not get into the storm before crying out. Dès le début. Starting from Seigneur, the beginning, Lord. Viens avec nous. Come with us. Et pendant le projet. And during the project. Demeure avec nous. Remain with us. Demeure avec nous. Remain with us. Reste avec nous, Seigneur, le jour décline. Qui connaît ce cantique-là? Who knows this song? Il y a des moments où tu dois supplier le Seigneur de ne pas s'éloigner de toi. There are times when you must plead with the Lord not to get to depart from you. Parce que l'ennemi est à côté. Tu dis à Jésus, je ne t'éloigne pas de moi. Because the enemy is near. You tell Jesus, do not depart from me. Chante ça. Sing this. Reste avec nous, Seigneur, le jour décline, la nuit s'approche et nous menace tous. Nous implorons ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. En toi nos cœurs ont salué leur maître. En toi notre âme a trouvé son époux. À ta lumière, elle se sent renaître. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Dans nos combats, si ta main nous délaisse, écoutez ça très bien, chantez ça deux fois. Satan vainqueur nous tiendra sous ses coups. Que ta puissance arme notre faiblesse. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Écoutez la sagesse, écoutez la sagesse. Dans nos combats, si sa main nous délaisse, Satan vainqueur nous tiendra sous ses coups. Que ta puissance arme notre faiblesse. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Écoutez la lecture. Dans nos combats. Si ta main nous délaisse. Satan vainqueur. Nous tiendra sous ses coups. Que ta puissance. Arme notre faiblesse. Reste avec nous. Seigneur. Reste avec C'est nous. C'est ça la sagesse. Alléluia. Praise the Lord. Donc tu marches avec lui. So you walk with him. C'est là où on dit que Enoch a marché avec Dieu, il l'a enlevé. As Enoch walked with God and God took him up. Dieu ne peut pas abandonner quelqu'un qui marche, qui reste avec lui. God cannot abandon someone who walks with him. Ce n'est pas possible. This is not possible. Des situations contingentes, chaotiques. Situation that are like a chaos. Disorder. Une situation sociale que tu ne maîtrises pas. A social situation that you don't master. Des forces extérieures à toi. External forces to you. Tu ne peux rien corriger. You cannot correct anything. Ce n'est pas une affaire de comportement. It's not a question of behavior. C'est que la situation est difficile. It's a difficult situation. Il y a la conjoncture. Like lack of money. Il y a le désastre. There is disaster. Tu as fait avec l'intelligence. Tu n'as rien. Tu n'as pas pu. You tried to find a way out with your understanding, but you didn't succeed. Une personne lourdement endettée. Somebody who is indebted a besoin de ces cris-là. Need those cries. Tes créanciers peuvent t'adresser un courrier un jour que tout est. Que ces filles, on annule toutes tes dettes. Vous voyez, beaucoup ne sont pas sûrs. Beaucoup
ont d'abord interrogé l'intelligence avant de dire. Many questioned their intelligence first before they say ah. Frère, brethren, tiens-toi debout. Stand on your feet. On va résoudre le problème des démons demain, aujourd'hui là. Tomorrow we will settle the matter of demons, but today, rassure-toi, make sure que tu as crié à Dieu. That you have cried out to God pour ta situation. For your situation. Bon, si Dieu trouve bon de détruire les démons, ça c'est lui sait ce qu'il faut faire. Mais toi, if God finds it right to destroy demons, le diable erré. Parle à ton père. This is another matter, but you speak to your father and let the demon wander. Ça a été écrit pour nous. It has been written for us. Ce chapitre, this chapter, a été écrit pour nous, pour que nous ayons la foi. Was written for us to have faith. Ce chapitre célèbre la fidélité de Dieu. This chapter celebrates the faithfulness of God. Et ce chapitre révèle ce à quoi Dieu est sensible. And it also reveals what God is sensitive to. Les cris de ses enfants. The cries of his children. Ils crièrent à l'Éternel. They cried out to the Lord. They cried out to the Lord. C'est ça qui est le message. This is the message. Ils crièrent à l'Éternel. They cried out to the Lord. Ils vous soulignaient, c'est toi. Underline. They, it is you. À qui à l'Éternel. Those who are gained by the Lord. À l'Éternel. But gained to the Lord. Ils ont crié à leur père. They cried out to their father. Tu peux aller crier auprès des gens. Tu entres ici, tu cries, tu pleures ici, tu sors, tu pleures partout. You can go and cry out to by men. Bientôt, you get here, you cry, you get here, you cry. Quand les gens te voient venir, ils commencent à dire qu'il arrive encore. Sometimes when people see you coming, they start saying that he is coming again. Mais Dieu n'agit pas de la sorte. But God does not work this way. Il ne dit pas c'est maintenant que vous savez que j'existe. He does not say it is now that you know that I exist. Voyez comment Jésus guérit les gens simplement. See how Jesus healed people. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Jesus, son of David, have mercy on me. Après, il dit, lève-toi et marche. And after he says, rise simplement, up and walk. Sans réprimande. This is simple, without any rebuke. Sans commentaire inutile. Without any useless comments. Les gens voulaient apporter leur débat. Qui a péché, lui ou bien ses parents? People wanted to bring a debate. Who sinned, he or his parents? C'est pour la gloire de Dieu. They say, no, this is for the glory of God. Voilà comment Jésus travaille. This is how Jesus works. Il fait pour la gloire de son père. He does it for the glory of his father. Lève tes deux mains. Raise your two hands. Crie à Dieu. Cry out to God. Sens-toi libre devant lui. Feel free before him. Parle librement. Speak freely. Frère, nous verrons le résultat. Brethren, we shall see the result. Nous verrons la consolation. We shall experience, see consolation, comfort. Nous verrons le salut. We shall see salvation. Nous verrons les restaurations spirituelles. We shall see spiritual restorations. Il y aura la vie. There will be life. Il y aura la joie. There will be joy. Il y aura la paix. There will be peace. Pourquoi? Why? Dieu a agi. God has worked. Le Seigneur aura agi. And he would have worked. Il attendait les cris. He was waiting for your cries. C'est lui-même qui nous enseigne. He himself teaches us. Nous ne connaissons rien. We know nothing. Oh Père. Oh Father. Agis maintenant. Work.
Tu dis, oh Père. Say, oh Father. Délivre-nous de nos détresses. Deliver us from our distresses. Délivre-nous de nos détresses. Deliver us from our distresses. Délivre-nous du désert. Deliver us from the wilderness. De la faim et la soif du désert. From hunger and thirst. Délivre-nous. Deliver us. De toute errance. From any wandering. Délivre-nous de toute maladie. Deliver us from any sickness. Conséquence de nos iniquités. Coming from our iniquities. Délivre-nous de toute catastrophe. Deliver us from any catastrophe. Délivre-nous de toute situation difficile. Deliver us from any difficult situation. De toute forme de désordre. From any kind of disorder. Désordre familial. Family disorder. Désordre conjugal. Family. Disorder in the home. Désordre professionnel. Professional disorder. Toute forme de désordre, toute forme de désordre. Any kind of disorder, any type of disorder. Délivre-nous de désordre émotionnel. Deliver us from emotional disorder. Tout ce que nos péchés ont créé contre nous. All that our sins have created against us. Reste avec nous. Remain with us. Continue à crier à Dieu. Continue to cry out to Lord. Exauce-nous, exauce-nous. Answer us, answer us. Prends ton frère par la main. Hold your brother by the hand. Continue à crier que Dieu nous exauce. Continue to cry that God grant us. Dis, oh Père. Say, oh Father. Délivre-nous de toute forme d'oppression. Deliver us from all sort of oppression. Oh Père. Oh Father. Délivre-nous de la mort. Deliver us from death. Délivre-nous des messagers de la mort. Deliver us from the messengers of death. Dis, oh Père. Oh Father. Délivre-nous de la misère. Deliver us from misery. La pauvreté. Poverty. La faim et la soif. Thirst and hunger. Oh Père. Oh Father. Délivre-nous de toute catastrophe. Deliver us from any catastrophe. De toute catastrophe. Any other catastrophe. De toute confusion. From every confusion. De tout désordre. From any disorder. De toute calamité. From any calamity. Oh Père. Oh Father. Viens à notre secours. Come and help us. Restaure-nous dans la foi. Restore us in faith. Restaure-nous dans l'amour fraternel. Restore us in brotherly love. Restaure-nous dans la communion intime avec toi. Restore us in the intimacy. Sauve-nous, sauve-nous, sauve-nous. Save us, save us. Oh, continue à prier en langue. Prions en langue, prions en langue. Dis, oh Père. Oh Father. Oh Père, oh Father, délivre-nous maintenant. Deliver us now. De toutes les puissances des ténèbres. From all the power of darkness. Qui se sont constitués en résistance. Who are resisting. Écrase ces résistances. Crush those resistance. Écrase ces résistances. Crush those resistances. Écrase-les, écrase-les. Crush them, crush them, crush them. Et donne la victoire à ton peuple. And give victory to your people. Donne la victoire à tes enfants. Give victory to your children. Partout où ils se trouvent. Wherever they are. Continue à prier. Continue to pray. Karabaka cherba kala kajerba. Karabaka cherba. Dis, oh Père. Dis, oh Father. Que les obstacles soient renversés. Let obstacles be overthrown. Écoute nos cris, Seigneur. Listen to our cries. Et exauce-nous. And grant us. Amène-nous au port désiré. Bring us to the desired place. Tu sais ce que nous cherchons. You know what we are seeking. Tu sais ce que nous voulons. You know what we want. Conduis-nous au port désiré. Conduis-nous à destination. Lead us to destination. Continue à intercéder. Continue to intercede. Dis,
Oh Père, dis, oh Father, que ta parole agisse pour notre guérison. Let your word work for our healing. Que ta parole agisse pour guérir. Let your word act to heal. Que le dessein pour lequel tu l'as libéré soit accompli. Let the purpose for which you release it be fulfilled. Fais-le pour le plus petit. Do it for the smallest. Fais-le pour les plus anciens. Do it for the old, the elder. Continue à crier à Dieu. Continue to pray to the Lord. Cry to the Lord. Oh Père, agis. Oh Père, que ta parole s'accomplisse. Oh Père, que ta parole s'accomplisse. Oh, que la guérison manifeste. Dis, oh Père, oh Father, agis de telle sorte, work in such a way, que la guérison acquise à la croix se manifeste dans nos corps. That the healing that you got on the cross be manifested in our bodies. Que la guérison acquise à la croix se manifeste dans nos corps. Let the healing gained on the cross be manifested in our bodies. Toutes sortes de guérisons, toutes sortes de guérisons. All kind of healings. La guérison de toutes sortes de maladies. The healing from all kind of sickness. Continue à intercéder. Continue to intercede. Ora bakashara la bakashara la. Ora bakashara la bakashara la. Ora bakashara la bakala. Ora bakashara la. Ora bakashara la bakashara. Ora kabaka segabaka 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 la kabaka segabaka la kabaka segabaka ora bakala bakala segabaka. Pose la main sur ton frère. Lay your hand on your brother. Pose la main sur ton frère. Lay your hand on your brother. Proclame qu'il est guéri. Proclaim that he is healed. Dis par les maîtrisures de Christ. Par les maîtrisures de Jésus. By the wounds of Jesus. Tu es guéri. You are healed. Dis frère. Say brother. Dis frère. Brother. Par les maîtrisures de Jésus. By the wounds of Jesus. Tu es guéri. You are healed. Frère. Brother. Par les maîtrisures de Jésus. By the wounds of Jesus. Tu es guéri. You are healed. Si tu n'as pas encore donné la vie à Jésus, dis à Jésus que je te donne ma vie parce que cette prière est pour ceux qui ont déjà donné la vie à Jésus. If you have not given your life to Jesus yet, then give your life. Say to Jesus that I give you my life, because this prayer is for those who have given their life to Jesus. Après, je vais vous appeler ici devant, mais pour ne pas rater la prière, donne ta vie à Jésus maintenant. After I will call you here in the front, but for you not to fail. Dis Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Say Lord Jesus, I give you my life. Maintenant, continuons ensemble. Now let us continue. Dis frère, say brother, par les maîtrisures de Christ, by the wounds of Jesus, tu es guéri, tu es you guéri. Are healed, you are healed. Tu es guéri, tu es you guéri. Are healed, you are healed. Tu es guéri, tu es guéri. You are healed. Dis frère, brother, quelle que soit la maladie, whatever the sickness, quelle que soit ta maladie, whatever your sickness, ou quelle que soit tes maladies, whatever your sickness, tu es guéri. You are healed. Au nom de Jésus, in the name of Jesus, par les maîtrisures de Christ, by the wounds of Christ, tu es guéri. You are healed. Dieu au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Tous les démons derrière all la maladie. Tous les démons derrière les maladies. All the demons behind sicknesses. Ou vous tous les démons auteurs des maladies. All you demons behind the sicknesses. Vous êtes écrasés. We are crushed. Nous détruisons vos œuvres. We destroy your work. Nous vous chargeons de vos maladies. We charge you with your sicknesses. Et nous vous chassons du milieu de nous. And we cast you out of au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Continue à prier. Gloria kala bakasene rokara masengina alama kele basana yeni kori masaga mana yeni kere masana yeni kardia masona yeni kari masana gloria kara masena kare masere kara gloria bakasele kara mana gloria kara bazere kara basangara gloria kara balagara mana gloria kara balagara gloria kara balagara gloria kara bakora bakara gaba gora bakasere gara baka gora gaba gaba gora baka opa kajo baka raka baka gora baka. Glory to the camera, karma kasenene. Glory to karma lana. Elia, Elia. Glory to kabara kasabara. Glory to bakala kasara. Glory to karma kasabara. Glory to karma kasara. Merci, Seigneur.
Tu peux t'asseoir. You can get seated, please. Commandons que si un démon est caché dans la vie d'une personne dans cette salle ou dehors ou n'importe où que ce soit, qu'il s'en aille. Let us command that if any demon is hidden in the body of a brethren or anywhere, let it go out. Go out in the name of Jesus. Sors, va-t'en. Get out and go. Garde le calme. Let us keep quiet. Tu restes concentré. Remain concentrated. Quand le Saint-Esprit travaille, when the Holy Spirit works, tu restes devant sa face. You remain before his face. S'il rencontre un démon, il sait ce qu'il faut faire. If he encounters a demon, he knows what to do. S'il rencontre des cris, il sait ce qu'il faut faire. If he encounters some cries, he knows what to do. Permet que le Seigneur te touche. Allow the Lord to touch you. S'il rencontre les épines, if he meets thorns, il va les écraser. He will crush them. S'il rencontre les ronces, if he meets, il va les écraser. Thorns, he will crush them. Mais déjà, tu es béni. And you are delivered. Que tes adversaires tombent. Let your opponents fall. Que ceux qui s'opposent à ton bonheur tombent. Let those who oppose your happiness fall. Que toute puissance, let any power qui voulait résister, which wanted to resist, à l'œuvre de Dieu dans ta vie, to the work of God in your life, tombe. Fall down. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Que les desseins de Dieu pour toi soient accomplis. Let the purposes of God for you be fulfilled. Tous les desseins de Dieu soient accomplis. All the goals of God be fulfilled. Que tous les desseins de Dieu soient accomplis. Let all the purposes of God be fulfilled. Que tous les desseins de Dieu soient accomplis. All the purposes of God be fulfilled. Aucun être humain ne se tienne sur ton chemin. Let no human being stand on your way. Que tout obstacle soit renversé. Let any obstacle be overthrown. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Que tout obstacle soit renversé. Let any obstacle be overthrown. Que l'œuvre de Dieu prospère dans ta vie. Let the work of God prosper in your life. Que l'œuvre de Dieu prospère dans ta vie. Let the work of God prosper in your life. Tout ce que Dieu a planifié pour toi, all that God has planned for you, doit s'accomplir. Must be fulfilled. Doit s'accomplir. Must be accomplished. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Tout ce que Dieu a planifié dans ta vie, whatever God has planned in your life, doit s'accomplir. Must be accomplished. Doit s'accomplir. Must be accomplished. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Que tous les esprits des hommes, let all the spirit of men, qui sont dans un être humain, which are in a human being, contre la volonté de Dieu, against the will of God, soient jugés. Be judged. Va-t'en. Go away. Esprit humain, human spirit, quel que soit le prétexte, whatever the pretext, mari ou père ou mère, wow, oncle ou tante, husband, father, mother, uncle, tante, any spirit of man, humain, dwelling a human tu being, es jugé. You are judged. Va-t'en, sors. Go away. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Tout esprit. Any spirit. Tout esprit. Any spirit.
qui est entré pour envoûter. Which has entered to bewitch. Tu as été envoyé pour envoûter. You've been sent to bewitch. Tu as été envoyé pour envoûter. You've been sent to bewitch. Tout esprit humain. Any human spirit. Responsable des blocages. Responsible for blockages. Responsable des échecs. Responsible for failures. Toi qui veux humilier. You who want to humiliate. Tu veux humilier. You want to bring down. Tu veux humilier. You want to bring down. Tu détruis les efforts. You destroy the effort. Va-t'en. Get away. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Tout esprit impur. Any unclean spirit. Tout esprit impur. Any unclean spirit. Responsable des échecs. Responsible for failures. Des échecs. Failures. Tu es jugé. You are judged. Va-t'en. Go. Sors et va-t'en. Get out and go. Tout esprit humain. Every human spirit. Même si tu es un parent. If you are a parent, Jésus a racheté ses enfants. Jesus has redeemed his children. Les enfants de Jésus ne doivent pas être possédés. The children of Jesus must not be possessed. Tu es jugé. You are judged. Tu es jugé. You are judged. Va-t'en vite. Go quickly. Va-t'en vite. Go quickly. Va-t'en vite. Go quickly. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Tout esprit. Any spirit. Responsable d'échec. Responsible of failure. Perte d'échec. Lost. Failure. De honte. Shame. Humiliation. Humiliation. Va-t'en maintenant. Go now. Sors. Va-t'en. Get out and go. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Va-t'en vite. Go quickly, quickly. Va-t'en vite. Go quickly. Tout esprit. Every spirit. Responsable de pauvreté. Responsible for poverty. Pauvreté, pauvreté. Poverty, poverty. Échec et pauvreté. Failure, poverty. Va-t'en. Go. 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 Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Jésus est mort à la croix. Jesus died on a cross. Pour sauver. To save. Pour bénir. Bless. Que tout envoûtement soit brisé. Let any bewitchment be tout envoûtement soit brisé. Any bewitchment be tout broken. Tout envoûtement, toute parole incantatoire soit bannie. Word of incantation be banished. Et que tous les esprits. Let all the spirit. Derrière toute forme d'envoûtement. Behind all kind of. Soit jugé. Jugged. S'en aille. Go. Va-t'en. Go. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Ton œuvre est détruite. Your work is destroyed. Ce que tu es venu faire est détruit. What you have come to do is destroyed. Ce que tu es venu faire est détruit. What you have come to do is destroyed. Tout esprit responsable d'envoûtement. Let any spirit soit jugé. Be judged. Chassé. Cast out. Va-t'en. Go. Et ne reviens plus jamais. And do not come plus anymore. Jamais. Don't come. Plus jamais. Never come. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Que tout esprit. Let any spirit. Qui est venu. Which came. Par la voie d'envoûtement. By the way of bewitchment. Pour fermer dans les cercueils. Fermer dans la mer. Coming from je the sea. Casse ces cercueils. We cast les captifs. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Je casse les cercueils. We break your cercueils. Casse les bouteilles. We break. Je brise les tombes. We break the tombs. Et je libère les captifs. And we release the captives. Que tout captif soit libéré. Let any captive be free. Que l'héritage de chacun soit libéré. Let the inheritance of each que one be released. Entre en possession de son let héritage. Let each one possess his que heritage. Le temps de misère s'arrête. Let the misery stop. Satan, tu es vaincu. Satan, you are overcome. Tu verras ce que tu n'as jamais voulu. You will see what you have never seen. Tu es vaincu. Tu es vaincu. You are overcome. Tu es vaincu. You are overcome. Tu es vaincu. You are overcome. Satan. Satan. Ton armée est brisée. Your army is broken. Brisée. Broken. Ton royaume est dispersé. Your kingdom is scattered. Satan. Satan. Ton royaume est dispersé. Your kingdom is scattered. Dispersé. Tu n'as pas d'avenir. You have no future. Go la baka shara galaga baka shara galaga. Galaga baka shara galaga baka shara galaga baka. Galaga baka shara galaga baka shara galaga baka.
Alors, au nom de Jésus-Christ, in the name of Jesus, je disperse tout collège des sorciers. I scatter any group of witches. Responsable d'un malheur dans la vie. Responsible of de quiconque. An unhappiness toutes les œuvres in the life of anyone, all the works of toute men, œuvre humaine, any human work, dans la magie, dans l'occultisme, in magic, dans la sorcellerie, in witchcraft, toute œuvre humaine, any human work, dans la magie, in magic, toute œuvre humaine, any human spirit, dans l'occultisme, in occultism, toute œuvre humaine, any human work, dans le fétichisme, in fetishism, toute œuvre humaine, any human work, dans les sectes. Insects. Dans les sectes. Insects. Dans les fausses religions. In false religion. Partout où tu as été attrapé à un piège. Wherever you have been sans savoir. In a trap, without knowing it. Tout piège. Any trap. Dans lequel tu es tombé. In which you fell. Sans savoir. Without knowing. En traversant les choses dans les routes, dans by, les rues. By crossing things in the ways. En buvant des breuvages empoisonnés. By drinking drinks that are empoisoned. Tu es banni maintenant. All is banished now. Détruit. Destroyed. Tu es libre. You are free. Tu es libre. You are free. Tu es libre. You are free. Tu vivras. You shall live. Dans la volonté de Dieu. According to the will of God. J'ai loin de toi le malheur. I take away. J'ai loin de toi la honte. I take from you. J'ai loin de toi l'humiliation. I take away from you humiliation. L'humiliation. Humiliation. L'opprobre. Shame. Tout ce que l'ennemi a amené dans ta vie. Whatever the enemy brought in que your life. Que la tempête du Seigneur balaye tout. I take it away from your life. Et précipite dans les déserts. And we bring them down in the que depth. Que le soleil se lève dans ta vie. Que le soleil se lève dans ta vie. Let the sun rise in your life. Que tes yeux contemplent l'œuvre de Jésus. Let the eyes behold the work que of Jesus. Démons let the demons go. Satan, tu es vaincu. Tu es Satan, vaincu. Satan, you overcome. Brise la résistance. I break resistance. Je renverse les murs. I bring down the wall. Je détruis les murs. I bring down the wall. Shurga la baga, 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 shurga la baga. Qui est enfantement? Let there be childbirth. Qui est des emplois? Let them be jobs. Tout ce qui était bloqué. Whatever was blocked. Par la volonté des hommes pervers. By the will of perverse men. Est libéré maintenant. Is now released. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. J'annule. I cancel. Les paroles de malédiction. The word of curse. Car il est écrit. For it is written, la malédiction sans cause n'a point d'effet. The curse without cause je détruis no toute malédiction prononcée sur toi. I destroy all curse par un parent. By parent. Par un adversaire. By an opponent. Par un pasteur. By a pastor. Toute malédiction. Any curse injustement proclamée sur toi. That I proclaim on you. Et annulée. Is canceled. Jésus est Seigneur. Jesus is Lord. Il est venu libérer les captifs. He came to release captives. Il est venu libérer les captifs. He came to release captives. Tu ne seras jamais esclave de l'homme. You shall never know. Jésus a acquis ta liberté à la croix. Jesus get got your freedom on the cross. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Que tous les esprits de serpents. All the spirit of serpents. Avec le Léviathan même à la tête. Even with the Leviathan at the head. Les pitons, tous les serpents. All the snake. Tous les serpents. All the snakes. Qui troublent les vies. Which trouble the lives. Vous êtes taillé en pièces. You are cut to pieces. Vous êtes chassé. You are cast out. Oh, nous n'avons pas besoin de vous. We don't need you. Nous n'avons pas besoin de vous. We don't need you. Le serpent est un reptile, n'est pas Dieu. The serpent is a creeping thing, it's not God. Et ton esprit est impur. The spirit is impure. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Que toute pratique. Let any practice. Qui a provoqué l'oppression. That have brought oppression. Et la dépression. And depression. Qu'il n'y ait aucune dépression dans cette salle. Let there be no depression et in que this toute room. Personne qui souffre de dépression soit guérie. Let each person suffering from depression que le psychisme soit guéri. Let the psychics be healed. Que les pensées qui te troublent soient bannies. Let the thoughts that trouble you be banished. Je brise. I break.
Et je chasse le désir de te suicider. And I cast out the desire to. Je chasse le désir. I cast out the desire. De te suicider, de te suicider. To commit suicide. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Que ta vie en Christ soit agréable. Let your life in Christ be interesting. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Satan, tu es vaincu. Satan, you are overcome. Satan, tu es vaincu. You are overcome. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Que tout esprit, any spirit, derrière l'immoralité sexuelle, behind a sexual immorality, tout démon, or any demon, tout esprit, any spirit, responsable, responsible d'immoralité sexuelle, or sexual immorality, pensée morale, or masturbation, masturbation, adultère, adultery. Va-t'en, go. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Tout esprit, any spirit, responsable d'immoralité sexuelle, responsible for sexual immorality, pensée morale, immoral thoughts, masturbation, masturbation, adultère, adultery, lesbianisme, lesbianism. Va-t'en, vite. Go now. Tout esprit, any spirit, tout esprit, any spirit, responsable du lesbianisme, responsible of lesbianism, et des pensées de lesbianisme, and of thoughts of lesbianism. Va-t'en, go. Tu es jugé. You are judged. Tu es jugé. You are judged. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Que les mères, let the seas vomissent tous ceux qui sont en elle. Vomit all those who are in them. Toute âme prisonnière. Any soul that que is a prisoner. Toute âme prisonnière. Any soul that is a prisoner. Dans les eaux. In the waters. Sort au nom de Jésus Christ. Get out in the name of Jesus. Et vive. And live. Dans la liberté qui est en Jésus Christ. In the freedom that is in Jesus. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Que tous ceux qui ont été enfermés dans les bouteilles. All those who are closing bottles. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous brisons la bouteille. We break the bottle. Nous libérons ton âme. And we release your soul. Afin que tu sortes, que tu vives. For you to be free and live. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Que tous ceux qui sont dans les ventres des reptiles. Let all those who are in the womb of sont vomis maintenant même. Au nom de Jésus. In the name of qui revient à la vie. Let them come back to et à la liberté totale. And have total freedom. Au nom de Jésus Christ. In the name of au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Que toute personne, let any person qui a été envoûtée, that have been bewitched, parce qu'il porte le nom d'un fétiche, because he's bearing the name of a fetish, que cet esprit soit jugé. Let that spirit be judged. Je brise le lien malsain qui était lié à cette idole. That is, je te libère. I will set you free. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Je juge tous les démons. I judge all the demons. Qui ont suivi quelqu'un. Which followed someone. Parce qu'il a reçu les choses d'un marabout. Because he received the things from parce qu'il a reçu les choses d'un marabout. Because he received from a fortune teller. Parce qu'il a reçu les choses d'un marabout. Because he has received the things from a fortune teller. Toi, esprit impur. You unclean spirit. Qui est venu. Which came. Qui a possédé cette âme. And possessed that soul. Parce qu'il a reçu les dons d'un marabout. Because it has received something from the ou bien il a reçu quelque chose d'un marabout. Because he has received something from a fortune teller. En échange avec son argent. In exchange of his money. Je proclame. I proclaim que Jésus l'a justifié. That Jesus has just Jésus a pardonné son péché. Jésus a pardonné son idolâtrie. Jesus has forgiven idolatry. You. Tu dois partir. You must go. Va-t'en. Go. Va-t'en. Vite, vite, vite. Go quickly, quickly. Va-t'en vite. Go quickly. Va-t'en. Go. Vite, 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 vite. Quickly, quickly, quickly. Je t'arrache d'entre les mains. I snatch from your hands. Les esprits de génie. The spirit of qui t'ont gardé. Which kept you. Parce que tes parents les ont adorés. Because your parents worshiped tous les démons. All the demons. Tous les esprits de mort. All the spirit of death. Qui sont restés dans ta vie. Which remained in your life. Parce que tes parents ont adoré les morts. Because your parents worshiped the death.
Vous êtes vaincu au nom de Jésus. You are overcome in the name of Jesus. Partez. Go. Vite. Go quickly. Que tout esprit de mort, let any spirit of death, tout esprit qui est entré en toi, any spirit that parce que tes parents adoraient les génies, because your parents, je proclame que tu es libre. Je proclame que Jésus t'a sauvé. Je proclame que Jésus t'a libéré. Et je jase ces esprits. Va-t'en au nom de Jésus-Christ. Go in the name of Jesus. Va-t'en, oui, va-t'en. Go. Au nom de Jésus-Christ, in the name of Jesus, personne ne doit te toucher. No one must touch you. Jésus t'a pardonné. Jesus has forgiven. Jésus t'a affranchi. Jésus t'a libéré. He has set you free. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Esprit. Spirit. Méchant. Wicked spirit. Qui s'oppose à l'étude de la Bible. Which is opposed to the study of the Bible. Qui bloque les études bibliques. Which blocks the Bible studies. Qui sème la paresse spirituelle. And brings spiritual laziness. Paresse spirituelle. Spiritual laziness. Va-t'en. Go. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Toi, esprit impur. You unclean spirit. Qui est entré dans ce corps. Which entered that body. Par le lien d'incarnation. By the link of incarnation. Toi, esprit d'un mari ou d'un père ou d'une mère. You, spirit of a husband or a father or a mother. Tante. Or d'un oncle. An uncle. Ou de n'importe qui. Or of anybody. Je brise le lien d'incarnation. I break the tie of incarnation. Je le détruis. I destroy it. Je t'expose à la colère de Dieu. I expose you to the wrath of God. Je t'ordonne de partir. I command you to go. Sors. Get out. Ce corps ne t'appartient pas. That body does not belong to you. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Que tout esprit d'un être humain, let any spirit of a human being, vivant, living, soit jugé, be judged, toi qui habites dans le corps, you who live in the bodies, par envoûtement, by bewitchment, que toutes les femmes qui ont été possédées, let all the women that have been possessed, parce qu'elles sont parties se faire laver chez les féticheurs, because they went and washed. Be, get washed by pour attirer les hommes. To draw men. Je proclame. I proclaim que tu es pardonné. That you are forgiven. Mais le démon doit partir. But the demon must go. Va-t'en vite. Go quickly. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Tout démon qui est entré. Any demon which entered. À travers les pratiques perverses de sexualité. Through perverse practices of sexuality. Les pratiques sataniques de sexualité. Satanic practices of sexuality. Je te chasse. I curse you. Va-t'en maintenant. Go now. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Dans la bakashara gabagala gashaba. 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 Proclame que Jésus est roi. Proclaim that Jesus is king. Acclamons pour Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Jésus-Christ. Jesus. Si, qui veut donner sa vie à Jésus? Qui a prié que Jésus vienne dans sa vie? Who prayed that Jesus comes into his life? Raise your hand. Venez rapidement ici. Prends ton sac, tu viens. Take ici. Your bag and you come here. Acclamons pour Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Venez rapidement. Come by running. Venez rapidement. Come quickly, come speedily. Ne craignez rien, le Seigneur va prendre soin de votre retour. Do not fear nothing. Do not fear anything. The Lord will care about your return. Ce qui compte, c'est qu'il soit glorifié. What matters is for the Lord to be glorified. Si lui il est glorifié, il fait le reste. If he is glorified, he will do the rest. Ça c'est this is l'avant-dernier jour. The last but one day.
L'avant-dernier jour, c'est demain. No, the last but one day is tomorrow. Demain, tomorrow, frère, brother, lève tes deux mains, tu dis, remplis-moi de foi, ô Père. Raise your two hands and say, pas maintenant, à la maison. At home, not now. Dès que tu te réveilles le matin, as soon as you got up in the morning, Dieu, oh Père, say, avant-dernier jour. It's the last but one day. Remplis-moi de la foi. Fill me with faith. Et puis tu viens. And you come. Je vous dis une chose. I tell you one thing. Quand nous prions, when we pray, les résultats immédiats, the results are immediate. C'est bien. It is good. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. But that's not the way God works. Il a dit à Isaïe. He told Isaiah. Ce sont des choses que j'ai planifiées longtemps avant. These are things that are planned long ago. J'ordonne maintenant qu'elles s'accomplissent. I now command them to be fulfilled. Il y a ce travail qu'on vient de faire avec Dieu. C'est comme si c'était une réunion de travail. This work we have done with God is just like a meeting of work, a working meeting. Il a débloqué les choses comme nous avons demandé. He will remove the blockage as we asked. Maintenant, but now, il planifie l'exécution. Il n'est pas un Dieu de désordre. He will plan the execution because he's not a God of disorder. Il y a des choses que tu ne verras que l'an prochain. There are things that we see next year. Par exemple, for example, si quelqu'un demande un enfant à Dieu. If someone asks a child to God, il ne peut pas prouver maintenant qu'il a reçu. He cannot prove it now that he has received. Mais la sagesse veut que tu demandes avec foi. But wisdom requires you to ask with faith. Et que Dieu enregistre que tu es exaucé. And for God to register that you have been granted. Après, il y aura un jour. And there will be a day. Il va ordonner le jour de l'exécution. He will command the day of the fulfillment. Donc après la croisade, nous demeurons en prière. So after the crusade, we must remain in prayer. La prière après la croisade consiste à rappeler à Dieu toutes les prophéties et toutes les visions que nous avons entendues et auxquelles nous avons cru. The prayer after the crusade consists in recalling to God all the visions and the prophecies that we heard. And so, et il va donc ordonner l'exécution. And he will therefore command the fulfillment. Ça là, c'est en janvier, ça c'est en avril, ça c'est en mars. You can say that this will be in January, in February, in March. Hallelujah. Praise the Lord. Il peut dire à ses anges. He can tell his angels. Le petit Biali là. The little Biali. Ça fait 5 ans qu'il crie, débloquer tout. He is crying out for about 5 years. Now remove all the blockages. Hallelujah. Praise the Lord. Il peut dire que Pénin là. Donnez-lui les trois quarts. And he said, bless this one. Give him the free fourth. Et si sa femme crie beaucoup, vous libérez un quart qui reste. And if her, acclamons her wife, pour Jésus Christ. His wife cries a lot, you release the one fourth. Merci Seigneur. Amen. Thank you, Lord.